retrouve pour la deuxième partie de ma vidéo achat scrap, enfin très gros achat scrap de juin 2014. Donc là j'ai reçu mon colis. Donc alors juste entre parenthèses, en fait là je suis en train de refaire la vidéo tout simplement parce que je l'avais faite une première fois. Donc c'était hier parce que donc j'ai reçu mon colis hier. Et donc je l'avais fait aussitôt arrivé à la maison, je me suis attelée à la vidéo tout de suite. Sauf que là ce soir, donc le lendemain, je suis en train de faire le montage de ma vidéo. Et c'est à dire que mon logiciel de montage vidéo, c'est... J'ai pas envie d'être vulgaire, comment je pourrais dire? Bah c'est de la merde, hein. On va pas en chercher, hein. C'est de la merde. Donc le problème c'est que la vidéo là, donc comment vous expliquer, ce que je disais c'est que, enfin, quand j'ai tourné ma vidéo, ce que je disais c'est que en fait j'ai reçu mon colis en deux fois, donc c'est à dire que là j'en ai reçu un aujourd'hui, et donc celui que je vais vous montrer il date d'hier, faut suivre, hein. Et en fait, ce qui s'est passé c'est que j'ai fait une commande le vendredi soir, et puis le lendemain, moi qui n'avais pas fini de vider ma cagnotte scrap malin, je me suis dit, bon allez, de toute façon, il va bien falloir utiliser ma cagnotte un jour. Du coup, j'ai refait une deuxième commande, mais elle n'est pas partie, pourtant c'était en plein week-end, donc je comprends pas comment ça se fait, enfin bref. Et donc ils sont partis à deux jours de différence, donc je les ai reçus en deux fois, bref. Et donc, j'avais fait la vidéo hier en me disant, bon, bah déjà, cette partie-là sera faite, puis je montrerai le deuxième colis demain. Sauf que, le logiciel en fait qu'à sa tête. La première vidéo donc, du colis que j'ai reçu aujourd'hui est faite, hein, donc c'est pour la blague. Et l'autre, je sais pas ce qui s'est passé. Quand je la lis avec mon lecteur Windows Media, il n'y a pas de problème, il la lit sans bug, sans rien du tout. Mais quand je le mets sur le montage, c'est une catastrophe. En fait, vous entendez tout ce que je vous dis, enfin, je vous présente les produits et vous voyez les produits 10 secondes après. Donc, bon, quand même, il faut que ce soit à moitié cohérent quand même, hein. Donc, ce qui s'est passé, c'est que moi, hier, quand j'ai terminé la vidéo et que normalement il n'y avait pas de souci, qu'elle était nickel, je me suis dit, bon, allez, c'est bon, maintenant je range. Donc, j'étais contente, j'ai tout déballé, j'ai tout rangé, etc., etc. Et puis, en fait, là, quand je suis en train de faire le montage ce soir, et rien ne va du tout. Donc, je vais vous montrer des produits, mais il y en a quelques-uns qui sont déjà déballés, tout simplement parce que j'avais rangé. Donc, je m'excuse. De toute façon, je vais vous présenter les marques, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste que, voilà, moi j'aime bien présenter les produits dans leur emballage, c'est beaucoup plus propre. Mais bon, que voulez-vous? Voilà la technologie moderne, ce qu'elle nous apporte. Elle nous apporte du stress, de l'énervement, de la colère. Bref, je vais arrêter de parler parce que, voilà, on est déjà à 3 minutes 20 de la vidéo et j'ai toujours rien présenté. Donc, on va y aller, hein. Oui, on va y aller. Donc, qu'est-ce que je vous montre en premier? Je vais vous montrer ce qui est déjà déballé, comme ça va être réglé. Donc, je me suis commandé des tampons Kesiart à molette. Je m'en suis commandé 3. Et dans le colis suivant, il y en a 2 autres. Voilà. Et je me suis commandé avec le tourniquet. Comme ça, c'est plus simple, tout est rangé, on n'en parle plus. Et donc maintenant que vous êtes au courant que mon autre vidéo est tournée, je vais pouvoir ranger les deux autres que j'ai reçus également. Donc il n'y aura pas de surprise pour la deuxième partie, mais voilà, en tout j'en ai eu 5. Donc voilà, maintenant je vais pouvoir ranger en espérant que cette vidéo ne sera pas à refaire, sinon je pète un plomb. Ensuite, alors, j'arrive. Et voilà, ça, c'est bon. Voilà. Je me suis commandé un nettoyeur pour tampons. C'est un tapis, donc je l'ai déballé. C'est chez Artemio, c'est ça. Et tout simplement parce que moi, je nettoie toujours mes tampons aux lingettes. Et il se trouve qu'à force de les nettoyer aux lingettes,
comment dire, ben, ça m'énerve parce que j'utilise tout le temps. Parce qu'en fait, moi, je suis quelqu'un, je prends les lingettes, je prends les lingettes, je prends les lingettes, et puis au bout de 2 semaines, il n'y a plus de lingettes, faut que j'aille en racheter, enfin, etc. Bref, donc je me suis acheté un tapis, je trouve ça beaucoup plus pratique, et puis juste un peu de spray dessus avec de l'eau un petit peu savonneuse, je pense, et puis le tour est joué. Bref, donc, un nettoyeur à tampons. Je me suis pris une petite Colorbox Evergreen. Donc en fait, ça, normalement, ça donne un vert menthe. Si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, c'est un effet vert menthe. Donc je me suis pris ça. Ensuite, je me suis repris quelques flacons de pigment Easing. Donc là, j'ai pris la couleur Gold. La couleur Jasmine. Et la turquoise. Voilà. Et donc pour pouvoir les cheater, là je vais tout faire tomber, je me suis repris donc des sprays tout vide, des vaporisateurs pour pouvoir faire mes mélanges. J'en ai pris 4 parce que si vous avez vu mon autre vidéo, donc j'ai pris la couleur Lotus chez Cultura. Et comme ils n'avaient plus de spray, j'en ai donc racheté un en supplément. Ensuite. J'ai envie de garder le meilleur pour le milieu. Oui, parce que donc après il y aura l'autre vidéo, donc ça sera pas la fin, je peux pas dire que ce sera la fin. Et pour le milieu, je pense que ça pourrait être. Oui, on va les garder pour le milieu. Ouais. Bon. Alors, tout ce que je vais vous montrer tout de suite, c'est que de la marque Toga. Tout est chez Toga, il n'y aura pas à chercher midi à 14h. C'est la marque Toga. Donc, je me suis pris une planche de stickers pour aller avec le bloc Félix et Médor, donc que je vous ai montré, qui a été acheté chez Cultura. Donc comme j'avais pas d'embellissement pour aller avec, je me suis pris des stickers et je me suis pris aussi la petite planche de tampons. Donc je la trouve super mimi, surtout que je pense qu'on peut la réutiliser dans autre chose que ce bloc là, parce que la cage à oiseaux, on peut l'utiliser ailleurs, le chat, la rate, enfin bref, on peut l'utiliser autrement que dans ce bloc. Donc je les ai pris, j'ai trouvé ça super sympa. Ensuite, pour aller avec des pages que j'ai déjà depuis longtemps vintage, je me suis pris des embellissements parce que ben, tout simplement, j'avais pas grand chose en vintage, alors pourtant j'adore ça, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'ai. Donc je me suis acheté des stickers avec des engrenages, des horloges, des tickets, que je trouve super beaux. Franchement, c'est vraiment très joli. Donc voilà pour la planche. Je me suis pris des rubans, qui sont vraiment très beaux aussi, hein. Alors je m'excuse parce que quand j'ai fait l'autre vidéo, l'éclairage était 10 fois mieux parce qu'on est en plein jour, là on est en pleine nuit. Donc bon, c'est un petit peu compliqué, mais bref, vous le verrez sur la vidéo d'après, on voit beaucoup mieux. Donc là ça fait comme un mètre de couture, là il y a des définitions, et puis un peu de dentelle, et puis un ruban classique. Enfin je l'ai trouvé vraiment très joli, donc je me suis pris ça. Et ensuite j'ai pris ça, alors ça c'est d'une beauté. J'ai le cadré, voilà. C'est des brads et des boutons. Franchement, je les trouve super beaux. Celui-là, je le trouve absolument, absolument joli. Enfin, j'adore. Donc voilà. Au moins, ça va me faire un peu d'embellissement. Ensuite, donc, je vais y aller par étapes. Donc, je me suis commandé 6 nouveaux petits blocs Toga. Parce que, si vous avez pu vous les voir, moi, vous le savez maintenant, je pense, que j'adore les blocs de chez Toga. Et je m'en suis repris 6. Et j'ai pris les embellissements qui vont avec, sinon c'est pas drôle. Donc je me suis pris le bloc déco vue sur mer. Alors je vais vous montrer l'intérieur des pages. Donc c'est vraiment une très belle collection. Je les ai toutes feuilletées du coup, parce que dans l'autre vidéo je vous l'ai montré, donc j'ai vu ce que ça donnait. Et sincèrement, je trouve que c'est vraiment une très très belle collection. J'envisage de partir dans la famille en Bretagne, donc je pense que ça peut être une bonne idée pour faire un album sur ce fameux week-end, parce que la Bretagne, bon voilà, c'est vraiment le type même, donc je vous raconte un peu ma vie, mais
Mais voilà, donc je me suis pris pour aller avec des. C'est des timbres normalement, mais on pourra s'en servir comme déco. Je me suis pris les die cuts qui vont avec, donc les die cuts forme et les die cuts mots. Donc j'ai pas mal de jeux de choix. Je me suis pris les embellissements qui vont avec en brads et en boutons. C'est pareil, je trouve super beau, ça va être super. Enfin, j'adore. Je vais pas dire à chaque fois super, super, super parce que c'est bon, mais non, j'adore. Je trouve ça trop sympa. Voilà. Ouais, voilà. Et puis je me suis pris les petites cordes qui vont avec. Parce que j'en avais de couleurs rose, jaune, rouge, vert et mauve, si je dis pas de bêtises. Parce que je les ai pas sous les yeux là. Mais d'ailleurs ils sont où? Bon, on s'en verra après. Et donc oui, donc je vous disais, j'avais aucune couleur qui correspondait au thème. Donc du coup je m'en suis pris et puis ben, ça pourra servir de toute façon pour autre chose si jamais j'utilise pas tout. Enfin je pense pas tout utiliser non plus. Donc voilà pour cette collection. Ensuite, je me suis pris. Alors, je me suis pris ce bloc-là. Donc c'est le bloc romance. Le seul souci, c'est qu'il n'y avait plus d'embellissement du tout sur le site qui allait avec. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des die-cuts de d'autres collections, mais que je trouve qui vont aller parfaitement avec. Je trouve ça dommage. J'aurais bien aimé avoir la collection complète comme à chaque fois, mais bon. Pas tout avoir. Donc du coup j'ai pris des die cuts avec des petits vélos, des petites étiquettes, enfin des choses un peu très, enfin comment dire, très shabby, très très vintage. Donc j'adore. Donc je pense que ça va aller avec. Et puis je me suis pris ça. Donc c'est pareil des die cuts. Par contre, est-ce que c'est, je sais pas, c'est quoi la collection de celui-là? Je sais pas du tout. Bref. Et du coup. Ben voilà, je pense l'utiliser ces deux-là avec ce bloc-là. Petite parenthèse, j'ai acheté la dernière fois le bloc Mademoiselle et donc je me suis trouvé des stickers de Mademoiselle tout simplement pour aller avec. Donc voilà, ensuite, donc celui-là, j'ai trouvé aucun embellissement. Enfin, il y a un moment où je me suis arrêtée quand même hein, parce que ma cagnotte avait beau être très. J'avais beau avoir un très bon montant dessus, j'avais pas non plus 10 000 euros dessus. Hein, donc. Il y a un moment, il faut se raisonner. Et donc, en fait, je me suis pris ce bloc déco-là. Donc, c'est trésor baroque. Donc, j'ai pas trouvé les. Pareil, il n'y avait rien qui allait avec. Donc, bon, j'ai pris comme ça. Puis, je me suis dit, on verra ensemble. Et puis, ben, en fait, au final, je me suis dit que les embellissements vintage que j'ai achetés, personnellement, je vois la page là. Je mets ça dessus, ça va vraiment bien ensemble. Donc, bon, je pense que ça sera ça qui va faire office de déco dessus aussi. Donc, ouais, une très belle collection également. Voilà. Ensuite, je me suis pris. Ah! Je me suis pris. Oh, mais ça. Excusez-moi. Le bloc pivoinement, je crois que c'est ça, ouais. Donc c'est pareil, une très très jolie collection. Le seul truc, c'est que il n'est pas ouvert. Vous voyez, je dis des bêtises, celui-là, je n'avais pas ouvert. Voilà. Donc, une très jolie collection également. Tout du fleuri, tout ce que j'aime. Voilà. Et donc pour aller avec, oh, elle est très jolie cette page. Et donc pour aller avec, j'ai pris le mini bloc. Donc il y a des très jolis papiers avec. Quand il y a un mini bloc, de toute façon à chaque fois je le prends toujours parce que moi je m'en sers de tag après. Donc vraiment super beau, c'est super joli, je vais m'amuser avec tout ça. Voilà. Et puis je me suis pris donc les die cuts qui vont avec. Donc par contre c'est dommage, c'est pas les die cut mots, c'est les die cut formes. Mais bon, je trouverai bien quelque chose à faire, hein, vous en faites pas pour moi. Voilà, ensuite, je me suis pris le bloc. Ah, il y a tout qui tombe là. Voilà, le bloc Destination Paris. Donc il est super beau celui-là. En plus là, en fait, je l'ai pris juste parce que j'ai vu la tour Eiffel dessus et que ayant dans l'idée d'aller faire un week-end shopping à Paris, pas tout de suite, hein, parce que. Là c'est bon, on va arrêter quand même. Mais
ayant dans l'idée de faire un week-end shopping à Paris, je me suis dit ça pourrait être sympa aussi. Donc, les feuilles sont vraiment aussi très jolies, c'est dans les couleurs pastel, j'adore, je trouve ça super chouette. De toute façon, quel déco, quel est le bloc déco de chez Toga qui ne me plaît pas? Je vous pose la question. Je crois qu'il n'y en a aucun. Enfin, du moins, de ceux que j'ai achetés, j'ai jamais été déçue. Donc, j'ai pris le bloc, j'ai pris le masking tape qui va avec. Donc là, voilà, je vais me mettre comme ça, parce que là, sinon, je crois que vous voyez rien. Non, vous voyez rien du tout. Super, quand il fait nuit. Donc, le masking tape. J'ai pris les rubans qui vont avec. Donc là, c'est écrit « Promenade à Paris »,« Le Pont des Arts », Grand Palais, etc. Des petits oiseaux, et puis marqué oh là là, c'est très chic Paris. Je l'ai trouvé sympa, donc voilà. Des timbres, comme avec le bloc vue sur mer, qui sont très jolis aussi. Des stickers. Alors, par contre, je vais passer pour une inculte. Mais vraiment, je vais vraiment passer pour une inculte. Je sais c'est quoi ça, je sais c'est quoi ça. Mais par contre, franchement, là, dans mon souvenir, j'ai aucune idée de ce que peut bien être cette sorte de palais. Donc, je m'excuse d'avance s'il y a des Parisiennes qui me regardent et qui trouvent que c'est pas possible de ne pas connaître ça. Bref, s'il y en a qui voient ce que c'est, ou si vous voulez me le dire, dites-le moi. Parce que moi, j'ai vraiment... Il n'y a rien qui me revient, je vois pas du tout ce que c'est. Donc voilà, si ça vous fait plaisir de me le dire, dites-le moi. Je me suis trouvé aussi des stickers 3D que je trouve trop jolis. Et comment dire, la tour Eiffel là en 3D, je la trouve super chouette. Voilà, oui, c'est un petit peu en 3D. Je la trouve super chouette et je pense que sur la devanture, la couverture de l'album, ça peut faire super sympa. Donc voilà pour ce bloc, et puis je me suis trouvé le bloc déco London, non c'est Londres, excusez-moi, c'est le bloc déco Londres, et c'est pareil parce qu'on doit aller en Angleterre, pas tout de suite non plus, mais ça va venir, et donc pour faire un album sur cette sortie, ça va juste être, oh j'ai pas vu ça, et bien ça peut être super chouette, parce que je pourrais entourer la date où, à laquelle on a été là-bas, ça peut être super chouette. Et ouais, une très belle déco aussi. Donc tout en couleur de l'Angleterre, bien évidemment. Voilà, voilà, voilà. Et je me suis trouvée avec des stickers pour mettre dedans. Donc, qui sont super chouettes aussi. J'ai vu après qu'il y avait d'autres choses qui pouvaient aller avec, mais je ne les ai pas vues sur le coup, donc je ne les ai pas pris. Mais quand je repasserai une commande, mais ça ne va pas être tout de suite, maintenant je pense que là... Je vais avoir quand même de quoi travailler. Je pense que je vais prendre compléter, mais c'était quoi? Il y en avait quoi pour 6-7 euros en plus pour avoir des embellissements qui vont avec. Donc voilà pour tout ça. Donc je vais tout mettre là. Dans la place quand même pour le reste. Voilà. Donc, comme je vous disais, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Alors, je me suis acheté en mini format parce que je ne savais pas du tout ce que ça valait, donc je voulais tester avant d'acheter les grands formats. Donc j'ai acheté les Glossy Accent et le Crackle Accent de chez Ranger, parce que je vois beaucoup de monde qui l'utilise, mais je vous dis, j'ai jamais testé. Et sincèrement, je voulais savoir ce que ça donnait sur les pages. Donc je vais tester, puis si vraiment j'en deviens accro, ben on en commandera des plus grosses fioles. Donc voilà, je me suis pris ça. Ensuite, pareil, quelque chose que je voulais tester depuis longtemps. Les Dillusions de chez Ranger également. Donc là, c'est le Cherry Pie. Donc c'est un rose rouge. Là, c'est le Chopped Pesto, donc c'est un vert kaki très très foncé. Le Tangerine Dream, donc c'est un orange. Le Melted Chocolate, donc c'est un chocolat, hein,
Je pense qu'on a compris dans le nom. Et je me suis pris un cul de graisse, donc c'est du vert. Donc voilà, j'avais envie de tester, donc je m'en suis pris 5 de différentes couleurs pour voir un peu ce que ça donne. Ah zut alors. Et puis alors l'achat, enfin dans le lot, ce qui m'a fait vraiment le plus plaisir, je vais vous le montrer. Ce sont des distress. Voilà, donc en fait je me suis pris la couleur verte Bundle Stage. Un peu ouais, couleur lin antique linen, turquoise broken china, rose picket raspberry, désolé pour vos oreilles, du marron rusty inch, du parme très pastel Victorian Velvet, un bleu vert Evergreen Boat, un rose pâle Spoon Sugar, un violet Seedless Preserves et un marron Vintage Photo. Et donc pour aller avec, je me suis repris des mousses d'applicateur, parce que moi j'ai l'applicateur, mais donc il me fallait les mousses pour pouvoir utiliser tout ça. Donc voilà donc pour le premier colis. Donc là il va y avoir la suite tout de suite de mes achats chez Scrap Mala. Donc à tout de suite. Alors le deuxième colis vient d'arriver. Je vais vous montrer tout ce qu'il y a dedans. Je me suis pris la collection Daydreamer, donc avec des couleurs, enfin il y a plein de sortes de choses dedans. Je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a. Donc des choses fleuries, des petits nœuds, des cœurs, des appareils photo. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Donc voilà. Ensuite, je me suis pris, donc c'est bête, mais des cardstock blancs. Donc moi je les prends de chez Mahé parce que j'aime bien travailler avec. Donc je m'en suis repris une dizaine. Voilà. Ensuite, je me suis repris un autre lot de, parce que j'en ai de cette marque là, de cardstock dans les couleurs pastel. D'ailleurs la collection s'appelle comme ça, donc il y a pas mal de choix, et donc c'est assez cardstock, même de chez, c'est de chez American Craft. Je me suis pris ce bloc-ci, oh, j'ai oublié un petit peu la feuille, tant pis c'est pas grave, très masculin, parce que c'est vrai que j'ai pas de feuilles vraiment quand je veux faire des choses, des pages masculines ou quoi, j'ai pas grand chose, donc je m'en suis pris. Je les trouve vraiment, je trouve la collection vraiment très belle avec les cassettes et tout, je trouve ça super sympa. Voilà. Ensuite, alors je me suis pris donc deux autres tampons molettes. Et puis il y en a un autre qui, enfin apparemment, donc ils étaient en rupture de stock, donc ils vont me l'envoyer. Je vous ferai pas une vidéo sur celui-là, ça sert à rien, juste pour un tampon. Donc ça sera, donc là c'est celui de donc document. Celui-là c'est expression. Et moi celui que j'ai pris, je crois que c'est amour. Si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est amour. Voilà. Je me suis fait plaisir, je me suis pris la perforatrice de chez Martha Stewart. Bordure, parce que je l'ai vu sur plein de pages d'albums d'autres scrappeuses, excusez-moi, je cherche mes mots, et je trouvais que ça a vraiment un joli rendu, et en plus elle se déplie, donc ça fait vraiment des bordures super larges.
Donc voilà, je me suis fait plaisir, je me suis pris celle-ci. Je me suis pris un masque machine à écrire. Donc parce que là j'aime beaucoup les trucs vintage et des grands masques comme ça j'en ai pas, donc voilà. Je me suis pris des masking tape. Donc je me suis pris celui-ci, donc mauve avec des fleurs roses. Je me suis pris celui-là que je trouve très très beau, avec des cages à oiseaux, donc j'adore. Celui-ci avec des imprimantes, des horloges, enfin encore quelque chose de très vintage, voilà. Celui-ci en pellicule photo, voilà. Et puis j'ai pris celui-ci, donc c'est des codes barres, on voit pas bien, mais c'est des codes barres, donc une en forme de cœur, en forme de bouche. Je trouve ça très original pour quand on fait une création maison, puis que c'est pour offrir, on en met un petit morceau avec un tampon dessus écrit fait maison, ça peut être super sympa je pense. Donc ça, ensuite... Je me suis pris des brads comme ceci. Donc super sympa, je trouve c'est super mignon. Moi c'est surtout pour mettre sur mes boîtes, comme je fais mes boîtes à masking tape moi-même. Je vais vous montrer ce que j'entends par là. C'est que je mets des petits brads. Je sais pas si on va bien voir, voilà. Je mets des petits brads juste ici, parce que là je voyais je fais comme une sorte de poignée. Et pour faire la finition, je mets un petit brads juste là. Donc ben voilà. Je m'en suis repris pour quand je vais me faire d'autres boîtes. Donc alors, on arrive vers la fin. Je me suis pris des coins en métal pour quand je ferai un album. Je pense que ça peut être super sympa pour finir la couverture de mon album. Donc voilà. Et puis, donc pour terminer le colis scrap malin, je me suis commandé ce tampon bois là que je trouve super beau. Donc c'est écrit, les plus belles histoires commencent toujours par il était une fois, mais les meilleures histoires n'ont jamais de fin. Donc je le trouvais super beau. Donc voilà. Alors je vérifie que j'ai rien oublié. Non, j'ai rien oublié. Donc ce coup-ci pour le colis scrap malin, c'est terminé. Mais, chose que j'avais pas prévu de vous faire comme suite pour cette vidéo, c'est qu'en fait en allant chercher donc mon deuxième colis, j'ai été faire un petit tour à Nose, voir un petit peu les nouveautés, s'il y avait des choses intéressantes. Et effectivement, j'ai bien fait d'y aller parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes. Et je vais vous montrer tout ça pour que vous puissiez en profiter, parce qu'on sait toutes que Nose, eux, c'est vraiment du déstockage quand ils nous mettent des choses en rayon. C'est que ça reste pas longtemps. Donc je vais vous montrer tout ça. Hop. Alors, je me suis trouvée... Je vais prendre mon ticket de caisse pour vous dire un peu. Alors, juste pour l'information, j'en ai eu pour... 13,54€, juste là. J'en ai eu pour 13,54€ et j'ai quand même pas mal de petites choses, donc je vais vous montrer tout ça. Donc je me suis trouvé des petits brads comme ceci de la marque Artemio. De toute façon, attendez que je vous dise pas de bêtises, ouais, tout est de la marque Artemio. Donc comme moi je suis souvent amenée à faire des cartes, des albums, des choses comme ça sur le thème des enfants, pour une naissance ou pour un baptême ou des choses comme ça, j'ai trouvé que ça pourrait être super sympa à mettre sur l'un de mes projets. Donc voilà. Ensuite, je me suis trouvé deux plaques de tampons acryliques sur le thème des animaux. Donc là, c'est avec... vous allez mieux le voir là. C'est avec des... Vous pouvez faire des chevaux, vous pouvez en faire des zèbres. Parce qu'en fait, vous avez la base qui est juste là. Et puis ensuite, tout le reste pour compléter, en fait, pour habiller votre...
votre cheval. Donc j'ai trouvé ça super sympa comme idée. Je pense que ça peut être très rigolo à travailler. Bon, après c'est très enfantin, donc forcément ça sera sur des pages enfants, mais je trouvais ça sympa. Donc voilà. Et puis j'en ai trouvé une sur le même système où on peut faire donc des panthères, on peut faire des léopards, on peut faire des tigres, des lions. Ouais. Donc voilà, j'ai trouvé ça super sympa aussi. Donc voilà. Ensuite, je me suis trouvé des planches de stickers. Donc pareil, comme je vous disais, de chez la marque Artemio. Et là, franchement, ça valait vraiment le coup. Parce que la planche de stickers, elle était à... je regarde. Elle était à 0,75 centimes. Donc autant vous dire. Donc je m'en suis pris 8. 4, enfin, je me suis pris 2 de chaque en fait. Donc... je vais mettre un fond blanc pour que vous voyez mieux ce que je raconte. Excusez-moi, il y a un scooter qui arrive, c'est pas terrible. Voilà. Donc, c'est des notes de musique, des alphabets, enfin pas des alphabets, des signes, arrobases, des parenthèses. Les notes de musique, tout ça, c'est extra, j'adore, j'adore. Donc je m'en suis pris 2 planches de chaque. Je vous montre un peu les couleurs différentes que vous pouvez trouver là-bas. Voilà. On voit mieux comme ça, ouais. Voilà. Et... voilà, alors ça j'adore le vert, le mélange de vert comme ça j'adore avec un petit peu de bleu, c'est pas trop... voilà, ça, et puis donc pour terminer, je me suis trouvé des planches d'alphabet en chipboard, voilà, je m'en suis pris 2, bon, c'est les mêmes, mais comment dire... Mais on sait très bien que ça fait quand on a plusieurs mots à faire, et ben ça part très vite. Donc voilà. Donc chez, comme je vous disais, donc chez Nose, je me suis trouvé 8 planches de stickers, 2 tablettes de chipboard, 2 plaques de stickers, de tampons, et un petit sachet de Brads, et tout ça pour 13 euros, comme je vous ai dit. 13,50 €. Donc allez voir du côté de chez vous si vous avez un Nose pour profiter un petit peu de ce qui traîne là-bas. Donc ça y est, ma vidéo est terminée. Maintenant j'ai plus qu'à ranger la partie la moins rigolote, mais je vous dirais c'est pas grave. Hein. Quand on range ses signes, quand on range ses colis, c'est signe justement qu'on a eu plein de choses à de commander. Donc voilà, donc moi je vais vous laisser, je vais vous faire des gros gros bisous, et puis je remercie toutes les nouvelles abonnées qui se sont abonnées récemment. Ça me fait toujours plaisir de voir donc que mon travail plaît, et pour ça je vous remercie, et c'est grâce à toutes tous vos gentils commentaires et à toutes les personnes qui s'abonnent que ça me donne envie de continuer à vous faire partager ce que je connais un petit peu. Voilà, donc moi je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.